Bien, donc nous allons maintenant commencer la présentation d'un tour de jeu, donc son déroulement étape par étape. Donc les joueurs ont pris connaissance de leur rôle, donc à travers la fiche de rôle, et également des cartes à leur disposition, à travers notamment la fiche aide-mémoire. À l'issue du premier tour, donc ils pourront réfléchir à des changements qu'ils souhaitent apporter à leurs activités. Et donc à ce moment-là, ils pourront prendre connaissance de manière plus précise des cartes représentant ces changements.